Bonjour à tous, ici Yaya, et on se retrouve ce lundi 12 mars en compagnie de Francis. Salut. Pour un nouvel épisode de News de la Bulle Crypto. Le market cap global est redescendu à 350 milliards, soit le niveau d'il y a un mois. Bitcoin a quant à lui atteint la valeur de 8 500 $ alors qu'il flirtait avec la limite de 12 000. Cette perte de valeur a eu lieu avec un certain contexte. Tout d'abord, le curateur des fonds de MT Gox a annoncé avoir vendu une partie des avoirs du défunt exchange en Bitcoin et en Bitcoin Cash. 200 000 BTC sont en jeu et une partie a été mise en vente entre décembre et février. Dû à l'effet baleine, la mise en vente de plusieurs centaines de millions de dollars en Bitcoin aurait pu créer la chute de valeur du Bitcoin depuis le mois de décembre. C'est en tout cas l'hypothèse privilégiée par la plupart des observateurs. Plus important, il faut aussi noter la mise en vente prochaine de 166 000 BTC par le curateur. Il y a aussi eu l'histoire du hack de Binance. Des hackers auraient utilisé des fonds de plusieurs utilisateurs afin de faire monter la valeur de ViaCoin avant de vendre et retirer ses gains. Binance, l'un des exchanges les plus populaires, a annoncé avoir déjoué le plan des hackers en interdisant rapidement les retraits. Ils ont aussi annoncé que les fonds des victimes étaient sains et saufs et que leur sécurité n'est pas en cause. En effet, il semblerait que les victimes aient subi des attaques de phishing où ils auraient partagé sans le savoir leurs accès à Binance. Cette semaine, pour le blacklisting, on n'a pas beaucoup de nouvelles, on a seulement 3 nouveaux listings. Les deux premiers, c'est sur la plateforme KuCoin, c'est HTML Coin et EBTC qui vont être listés. En fait, c'est les deux coins qui ont été choisis par la communauté KuCoin pour être listés. Ce qu'ils ont dit sur leur Twitter, c'est que si tout est sous contrôle, au plus tard le 13 mars, les deux coins vont être listés. HTML Coin, un petit rappel, c'est la coin qui veut simplifier l'intégration des crypto-monnaies, puis EBTC, c'est la coin qui veut devenir une monnaie vraiment de tous les jours pour faire nos achats. L'autre listing, c'est BitDegree, qui va être listé sur HitBTC. La coin devrait être listée le 15 mars ou avant. Pour faire un petit rappel, BitDegree, c'est une plateforme d'éducation et de recrutement décentralisée. Sur leur site, ils se décrivent comme un mix entre Coursera et HackerRank. Pour le bloc meetup, on a Ripple et Monaco qui vont être à la conférence Money 2020, qui est une conférence sur la fintech à Singapour, qui accueille des gros noms comme Netflix, PayPal et même JP Morgan Chase. La conférence qui va se passer du 13 au 15 mars, du côté de Monaco, ça va être un sponsor de l'événement et en plus ils vont donner une conférence. Et pour Ripple, présentement sur le site, on peut seulement lire qu'ils vont donner une conférence. Du côté de San Francisco maintenant, il y a le Token Fest qui va accueillir beaucoup de personnes du monde de la crypto. Ça va se passer du 15 au 16 mars, puis parmi les personnes qui vont avoir là, on peut voir Bread, ETH Land, Block Mason Credit Protocol, Arc, Metal et Reverts. Donc, durant 2 jours, il va y avoir des conférenciers qui vont parler de sujets complètement consacrés aux sujets comme la blockchain et la tokenisation. Les sujets plus spécifiques, on va pouvoir voir comme la stratégie de revenus avec la tokenisation, les contrats intelligents, l'Internet of Things et les entreprises décentralisées. Si on se déplace maintenant en Australie, il va y avoir la conférence APAC Blockchain Conference qui va être présentée à Melbourne le 15 mars. C'est une conférence qui a pour but de passer par-dessus le hype des crypto-monnaies présentement, puis de vraiment réaliser le vrai potentiel des crypto-monnaies. Donc, c'est un peu de ça qu'ils vont parler. À cette conférence-là, il va y avoir le fondateur de Neo, qui va être un des conférenciers. Maintenant, côté fork, il va y avoir 2 hard forks cette semaine, dont un pour Burst. Un fork qui va être au bloc 470 000, puis au moment de l'enregistrement du podcast, on était au bloc 467 482e bloc. Donc, le hard fork devrait être pour bientôt. Le hard fork qui contient la mise à jour avec les blocs dynamiques et la nouvelle sorte de preuve de capacité. En résumé, présentement, les blocs peuvent atteindre un maximum de 255 transactions par bloc, ce qui crée un problème de scalabilité, mais avec la mise à jour, les blocs vont maintenant être dynamiques et pourraient atteindre 1022 transactions par bloc. Pour ce qui est de l'update concernant la preuve de capacité, il semblerait que présentement, il y a un problème qui permettra aux mineurs malhonnêtes d'exploiter 2% de toute la puissance de calcul. Ce problème s'appelle le Time Memory Trade-off. Donc avec le hard fork, ça apporterait un moyen pour régler ce problème. Du côté de PonyX, c'est pas un hard fork, mais c'est un swap de coin. En fait, ce swap serait déjà supposé être fait, mais PonyX l'a retardé et l'a déplacé au 15 mars. Le coin Pondy sera nommé The New PonyX et aura un ratio de 1 pour 1000. Ce split avait été suspendu. Sur un article Medium, on peut lire que ce choix était fait parce qu'après avoir vu un énorme volume de transactions après le snapshot,
Il croit qu'il y a plusieurs personnes qui pensaient acheter un Pony X, alors que finalement, ils achetaient un millième de Pony X. Ils ont donc décidé d'annuler le split et de reporter avec les corrections nécessaires pour régler le problème. On passe maintenant au bloc général. BitBay est un projet de plateforme de commerce décentralisée qui existe depuis 2014 et qui entend se démarquer par un ensemble de caractéristiques de sécurité, comme le double dépôt fiduciaire, les contrats intelligents dits « incassables » ou des options de passage par Tor. Le 14 mars aura lieu la refonte de l'interface graphique du client. Ce sera le dernier événement avant les annonces spéciales à la fin du mois et du lancement du gabarit de smart contracts. WeCash, l'application sociale d'Einsteinium, est prévue pour le 16 mars. Concrètement, on peut voir WeCash, W4E, comme une application de messagerie où il sera possible d'envoyer des coins avec les messages comme cadeau. Einsteinium est une monnaie preuve de travail qui a pour but de financer la recherche scientifique via une taxe de minage. Enfin, avec la multiplication des blockchains, certaines plateformes veulent servir de pont entre les différentes cryptos afin de permettre la communication ou l'échange de valeurs. La dernière en date s'appelle BlockNet et sort son white paper le 15 mars. Elle vient 2 semaines après la révélation de l'exchange décentralisé. Comme à chaque semaine, on vous propose le signal de l'équipe de traders professionnels Crypto Trader Signal, qui vous propose une chaîne Telegram gratuite de signaux de trading, d'ICO, d'airdrop, vous permettant de vous faire la main, et une chaîne payante premium avec des signaux à très fort potentiel, ainsi qu'une aide à la gestion de votre portefeuille, un suivi et des infos insiders en avant-première. Cette chaîne s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts. En signalant l'abonnement que vous venez de la bulle crypto, vous bénéficieriez de 20% de remise et une partie sera reversée à la bulle crypto pour nous aider à développer le podcast. Le lien va être dans la description. Et cette semaine, le signal, c'est le testnet de Aeon. Aeon, dont on a déjà parlé dans les news précédentes, va lancer son testnet le 15 mars. C'est la fin d'une série de 3 étapes. En premier lieu, Aeon avait permis à un certain groupe de tester le bêta de leur projet, pour ensuite partager graduellement le code au public, et finalement, dans 4 jours, leur testnet va être disponible à tous. Pour ceux qui se rappellent, Aeon, ce sont ceux qui veulent créer la blockchain des blockchains, qui permettra entre autres à toutes les blockchains de communiquer entre elles. Maintenant, quelques chiffres pour Aeon. Présentement, ils ont un market cap d'à peu près 236 millions de dollars américains, un total supply d'à peu près 466 millions, et un circulating supply d'à peu près 96 millions de Aeon. Présentement, sont disponibles sur Binance, Liqui, KuCoin, Index, TokenStore et Bancore Network. Le gros du volume se retrouve évidemment sur Binance par contre. On passe maintenant au bloc « Ce que dit Reddit ». Cette semaine sur Reddit, la crypto qui a fait le plus de bruit est Salt. Salt est une plateforme de prêt de fiat pour les investisseurs en crypto. Hébergé sur Ethereum, Salt permet de mettre ses coins en tant que collatéral afin de pouvoir recevoir des prêts en cash et les emprunteurs peuvent reprendre les cryptos après le remboursement du prêt. De cette manière, les investisseurs en crypto n'auront pas à vendre des cryptos s'ils ont besoin d'argent. Salt dispose d'un market cap en circulation de près de 180 millions de dollars avec une proportion de jetons en circulation de 46% par rapport à la quantité totale. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez un moment, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Ça va permettre à d'autres de découvrir le podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou SoundCloud pour recevoir les derniers épisodes. De plus, si vous voulez nous aider, je vous rappelle qu'on accepte les donations en Bitcoin, Litecoin et Ethereum ou toutes les autres tokens ERC20. Les adresses vont être disponibles dans la description. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut!